Parfait. C'est un boss ça. On dirait un Groot anorexique quoi. Hey. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo sur Warchief. Le bruit de la fenêtre qui se ferme parce que je l'ai pas fermée juste avant. Et que je suis un connard, je veux pas refaire l'intro, voyons, elle était tellement incroyable. Alors, Warchief est encore en open beta, enfin en open beta, faut demander l'accès sur Steam, machin, mais c'est gratos quoi. Je vais vous faire une game contre le CPU. Alors c'est par phase, donc il faudra pas hésiter à vérifier. Des fois c'est dispo, des fois ça ne l'est pas. Quand j'avais voulu faire une vidéo la dernière fois, j'en avais parlé sur Discord et le jeu n'était plus dispo. Maintenant il est de nouveau dispo, donc on en profite. Qui ressemble un peu à ce qu'était Battleforge il y a des années maintenant derrière. Un RTS où on va créer un deck. Alors on va pouvoir mettre des unités. On a de la thune qui monte tout seul, de la moula et de la mana. Sachant que si on caste des bestioles à l'extérieur du cercle de départ, les unités elles vont pas pop avec full life, donc il faut faire gaffe à bien penser à les faire pop à cet endroit. On a un peu une map façon Warcraft avec des campements à tuer qui vont nous permettre de choper de la thune. Et on va pouvoir upgrader les unités et... oula, attends. Hop. Visiblement il y a plusieurs héros, donc ça peut être sympa aussi. En fait j'ai pas beaucoup joué parce que je me suis dit putain vivement que le jeu sorte pour qu'il y ait du monde. C'est quoi? Chaque attaque ralentit la vitesse de déplacement de la cible de 30%. On va en faire un. Ça a l'air d'être une... on régène un peu. J'ai quoi en spell? J'ai un totem de soin et un bolt. Ok, très bien. Donc ouais, je joue contre l'IA parce que j'ai pas envie de me faire défracter la gueule par des joueurs. Ça va tomber. C'est tout lent. Ça ne fait pas des dégâts de ouf. Je ne sais plus. Ah oui, il faut augmenter le level du château pour pouvoir aller chercher des unités autres, tier 2, tier 3. Par contre, quand le héros monte de level, on peut choisir d'upgrade des unités. Donc là, typiquement, on augmente les dégâts de 10% et la santé de 5%, vous permet de débloquer des capacités spéciales. Sachant que lui augmente de 100%, attaque 100 fois plus rapide à moins de 50% de vie. Donc en gros, le level up, c'est plutôt très très bien sur lui. Et elle, qu'est-ce qui se passe quand on level up 10%, même chose, débloque des capacités. Ok, voilà. Bah, écoute, on va en faire d'autres. Hein. Attends, j'ai de la thune. Hop. J'ai plus assez. Bon, bah, on va faire ça. Hop. Let's go. On a 3 mecs à la hache. C'est très très bien. On voit qu'il y a des events qui vont pop sur la map. Ah oui, un campement juste là. Let's go lui péter la gueule. Ah oui, on peut aussi level un sort. Let's go. Il va être intéressant, alors on va pouvoir choisir hein, ce deck. J'ai l'impression qu'on peut upgrader les cartes un peu façon Clash of Clans, ce genre de truc. Je suis pas très fan de ce genre de manière de faire, parce que ça veut dire qu'à un moment, juste lui niveau 1 chez moi, contre un joueur qui a level 10 le truc, il sera plus fort par défaut, hein, sans management, donc je trouve ça pas trop cette manière de faire. Ah ouais, il y a des mines. C'est vrai que les mines vont nous permettre d'avoir un income plus élevé, mais c'est un campement un peu plus chaud. Le coffre à pop. Attends, le coffre ouvrira un trésor puissant, celui qui l'ouvrira. Il est où le coffre? Il est sur le milieu de la map, let's go. On va y aller. On va pas aggro tout le monde avant, on va juste... Ah, il y a l'autre joueur, tiens. Let's go sur lui. Ça va faire de l'XP facile, entre guillemets, hein, parce que je peux me faire tuer. Hop, pouette. On prend les low life d'abord. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut jouer en team. Alors je crois que c'est pas encore dispo dans la bêta. Mais l'intérêt de jouer... go le frapper, enfin faites pas nimp, ça vole, c'est ça, je peux pas le toucher. Bon, et ce qui peut être intéressant dans un jeu comme ça, c'est de faire des decks un peu avec des synergies, avec des potes. Et même, est-ce qu'il y aura pas des héros qui peuvent taper à distance? Hop, on passe au tier 2, ça prend 1 minute 30, hein. C'est pas... c'est loin d'être instant. Le coffre il est là, go le frapper. Bon, le CPU, je l'ai mis en difficulté intermédiaire, il est pas très très compliqué hein, en soi, c'est vraiment plus du training histoire de... Donc ok, je gagne un ami. Ok, il est allé sur le campement et il s'est fait enculer tout seul. C'est-à-dire, on est vraiment sur une vidéo juste découverte. Hein. Pas tortiller du trou du cul, ça va pas... Je vais malheureusement pas vous faire du beau game. J'attendrai que le jeu soit vraiment sorti pour ça, je pense. Ah, lui va crever, trop tard. J'ai pas eu le temps de le... nager le truc. Je vais peut-être me mettre un toto de soin pour pas être trop con. Donc là par exemple, je vous montre, si je mets lui, voilà, il arrive mi-life. D'ailleurs en parlant de mi-life aussi court.
Ok, ça passe. Yes. Donc là, on va... c'est 75 pour faire la mine. Donc on va rien faire, on va attendre un peu. J'ai level up. Allez, hop. Elle fait passer level 3. La mine. Donc elle est pas instant. Mais on va quand même aller se soigner. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gardes. Comme ça, on peut pas se faire prank tout le temps. Alors qu'est-ce que ça fait? Augmente les dégâts de 30% et les soins de 30% vous permet également de débloquer la capacité spéciale. Bon, on va mettre plus de soins. Hein. Et on va mettre un totem de soins pendant qu'on soigne dans la base. On est comme ça. Base de vision. Ok, téléportation. Donc il y a quand même quelques petites compétences. Et ici, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est la compétence de la sorcière, j'ai l'impression. Ouais. Lui, il a pas de compétences. Et le héros non plus. Ok. Ok, d'accord. Donc on a des bestioles qui ont des compétences. Cool. Ah oui, ça c'est quoi? Bouclier divin. Protège la cible de tous les dégâts. Ok. Un paladin, quoi. Vous pouvez changer une partie de votre deck pour surprendre l'ennemi. Oh! C'est bien! On peut swapper. Avec des cartes que j'ai, bien évidemment, mais... Ah, c'est cool! En soi, c'est... C'est hyper malin comme manière de jouer. T'es pas bloqué. C'est-à-dire que même le mec, il te fait un truc dégueulasse, il te counter à fond, ben, tu fais juste... Ben, va te faire foutre, bâtard. Je vais changer. Alors, je vais me faire des chevaliers pour que ça tanque un peu. D'accord, chevalier apparaît avec 100% de vie n'importe où sur la carte. Ok. Level 3. Ah oui, d'accord. Mais il est pas level 3. Augmente sa portée d'attaque. Catapulte. Ah oui, ça c'est quand ça level up. Mais j'ai pas une info plus intéressante sur la bestiole? Non. Non, le jeu il m'a dit tout sur la pas et tout va te faire couler. Ok. Un truc de régène. Voilà. Pour régène le chevalier qui était censé apparaître fou. Culé. Jeu de merde. Ah oui, alors là, il y a d'autres trucs. Puissant boss qui a rejoint l'armée du vainqueur. Ok, qui rejoindra l'armée du vainqueur. Sa mort invoque un fantôme qui suit votre ennemi pour vous donner la vision. C'est marrant, ça. Donc, il y en a un qui doit être là, j'imagine, et l'autre qui doit être là. Donc, il y a deux têtes de mort sur la map. Le coffre à repop. On va aller chercher le coffre. On va se faire une baliste. C'est une catapulte. Oui, mais c'est pas grave. Je dis ce que je veux, déjà, ok. Je vais pas me casser les couilles. La mine est bientôt terminée. Mais est-ce qu'il faudrait pas que je sois à côté pour qu'elle se fasse plus vite? Parce que j'ai l'impression que je fais nimpe. Wow, 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 non! Aïe, aïe, aïe! J'ai vraiment l'impression d'avoir fait n'importe quoi avec cette mine. Attends. Hop. Non. Bon, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Là, on leur pète la gueule, hein. Les catapultes, elles déconnent pas. Alors, ce qui est intéressant quand on change de tir rapidement, c'est de pouvoir level up justement catapulte et tout ça. Parce que là, j'ai mis deux levels dans les machins. Mais je sais pas quel est le level max. Attends, on va plutôt les surprendre en faisant ça. Here go. Oula, aussi court. À part les catapultes, faites-moi un focus là-dessus, s'il vous plaît. J'aimerais bien que mon chevalier ne meure pas. Il m'a coûté assez cher. C'est bien. Je sors de soins, je sors des boucliers et je ne fais rien. C'est bien. Oh non, le chevalier est mort. Ça me putain de foulé. Je pense que j'ai... Ah, j'ai une grosse torture en rang 3. Je sais pas trop. Je sais pas trop de ce qu'elle fait. Hop. On enclenche le tir 3. Là, on va aller soigner, puis on va aller tarter le joueur adverse. Je pense qu'on va se faire de quelques tanks. J'ai une com qui est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres mines? Il y en a une autre sur la map, je pense qu'il l'a. Donc on va pas aller. On va pas tenter de la contester, ça sert à rien. On met un autre mec qui tape à distance et slow. On est tous full, c'est soigné. Ok, let's go. Let's go. par exemple, ça c'est quoi? C'est tir 1, tir 2, ombre, chaman. Comment je fais ça? Ah ouais. Parfait. Oui, c'est un boss ça. On dirait un Groot anorexique, quoi.
Par contre, si on peut... Ah ouais, mais on peut pas re-swapper tout de suite, ok. Pas déconner. Ah oui, il rejoint mon armée, en fait, je le contrôle. Ok, alors, booster catapulte. Booster totem de soin. En 9 secondes, on a terminé le level up du truc. On va aller chercher l'autre boss. Wouah! Une grosse tortue. Ça, je vais avoir la vision. Et surtout, ça va me filer pas mal d'XP. Est-ce qu'il est en train de taper le totem, le mob? Est-ce qu'il est... Non, d'accord. Et le chaman, il fait quoi? Les attaques rebondissent deux fois. Ouais, c'est ça, c'est... Sympa. Ok, il est où? Il était censé me donner la vision. Ah oui, d'accord, tu vas aller le chercher. Il n'y a pas une autre fontaine par là? Si, évidemment. Parce qu'on va pouvoir... Ok, t'es là. T'as toujours pas pris la mine. Ouais, donc le CPU est vraiment aux fraises. C'est dommage. Mais en même temps, il est là pour... Il est pas là pour... Enfin, c'est juste du training. On est dans... On va voir la mine. On est dans un early access, machin truc. Enfin, le jeu, il est plus taillé pour réfléchir à de l'équilibrage pour du versus. Je pense, plutôt que de se faire chier avec des jouets contre le CPU qui n'a aucun intérêt direct à faire d'autres tortues. Et ensuite, on va aller tuer l'ennemi, comme ça on aura terminé cette petite partie. En tout cas, War Chief, vraiment, ça vaut, pour moi, ça vaut le coup. Parce que je... À garder, en tout cas, sous les yeux... Petit jeu, s'il sort gratos, ça a l'air pas mal. Je vois que tous les jours quand je me log, j'ai une carte gratuite. C'est pas grand chose, hein, mais je trouve ça intéressant. Alors attendez, on peut swapper du tier 3 maintenant? Est-ce que je peux classer par tier? Je sais pas trop. Tier 2, tier 3, connu. Tier 2, tier 2, tier 2. Tier 3. Météorite astrale, ok, champion. Tiens, hop. Moi, champion. Champion. C'est un spell? Ah oui, c'est un spell, merde. Augmente les dégâts. Merde. Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez hop. Pas le temps de niaiser. Oh là là, elle est très très mal placée. Le totem de soin. Là. Bah, on va plutôt le taper lui si on invincible ces trucs là. Hop, voilà. On va upgrader les catapultes, bien évidemment. On est en état de siège là. Là, on est. Là, on rigole pas. On va pas le temps de niaiser. On va mettre le bolt. Bim. Donc, oui, le fait de se connecter tous les jours, de gagner des cartes gratuites, ça va permettre rapidement d'étoffer sa collection. On va vite fait jeter un œil juste après la partie, justement, pour qu'on se rende compte un peu de quoi je parle. Avec précision, assiduité et coulommier. Ouais, c'est ça. Ah, un peu. Victory, c'est incroyable. Menu. Pas de fioriture, pas le temps. Écran de changement, somme toute sympathique. Prochaine récompense, ok, de l'XP, machin. Alors, et donc, c'est là qu'on va pouvoir faire ces decks avec la collection cartes. Tour. Ouais, je pense que ça, ça va être du cosmétique. Avatar, hein, ça en bat les couilles. Sélectionné. Pour le moment, il n'y a que lui. Ah voilà, là on voit toutes les cartes. Il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, hein, clairement. C'est là-dessus qu'ils vont pouvoir jouer. Mais en tout cas, voilà. Ah, War Chief, il y en a un autre. Skin, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça, beaucoup de skins. C'est un season pass. Bon, bah ça, à ce stade-là, de toute manière, il n'est pas payant, j'ai pas l'impression. Donc, bêta fermé, passe de saison. Bon. En tout cas, c'est War Chief. N'hésitez pas à demander l'accès sur Steam, c'est gratuit. Ça vaut le coup de le tester. Et puis voilà, hein, regardez, j'ai les dragons et j'ai Connie. C'est trop cool. T'as des cartes que j'ai gratos. Alors justement, je vais voir, on peut pas... Il n'y a pas d'upgrade en fait, hein, on est d'accord. Attends, hop, si je vais là-dessus. Non, en fait, on upgrade pas les cartes. Donc très rapidement, on va pouvoir avoir des trucs. Ça va peut-être s'upgrader plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt.